Quelle est la signification de la libellule? La libellule est vraiment un animal très intéressant et vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. La libellule est vraiment un animal mythique et parmi l'un des plus vieux, les plus anciens du monde. Au Japon, avant, le Japon s'appelait l'île des libellules. La libellule a vraiment une vraie signification, tout comme le papillon. Au Japon, elle représente le courage, la victoire, la force, et rien que pour ça, lâche un like pour cette vidéo. Malgré tout ce qu'elle a pu inspirer, la libellule, à travers les âges, à travers les mythes, à travers ses nombreux surnoms un peu sombres, tels que le marteau du diable, peau de serpent, la libellule est vraiment inoffensive pour l'homme parce qu'elle ne possède tout simplement pas de dard. La libellule, elle vit auprès de l'eau, auprès des cours d'eau, va poser, mettre ses œufs dans l'eau. Ses œufs vont devenir des larves pendant quelques semaines ou mois, et une fois que ce temps est passé, ils vont sortir de l'eau pour changer, pour se transformer, pour devenir une libellule. Un petit peu comme le papillon, la libellule va représenter le changement et la transformation. Mais vous allez voir, avec des caractéristiques un petit peu différentes. Abonne-toi à ma chaîne si tu es passionné, si tu aimes la spiritualité. Fais-moi aussi un don pour soutenir la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait un don. Je vais vous mettre quelques captures juste ici. Alors, si vous avez la libellule comme animal totem, comme animal spirituel, si elle se présente à vous dans votre vie, elle va représenter la sagesse, elle va représenter la connexion avec les esprits de la nature, elle va représenter la connexion à nos émotions, elle va représenter l'authenticité, elle représente l'adaptabilité à la vie. Elle nous fait replonger à ce que nous ressentons vraiment. Vraiment, la libellule, un animal totem qui représente, qui signifie beaucoup de choses. La libellule, plus elle va vieillir, plus elle va mûrir et plus elle va changer de couleur. Quand cet animal spirituel se présente à vous, vous pouvez être appelé à voir les choses différemment, à vivre d'une autre façon. Cet animal, s'il se présente à vous, il peut vraiment vous inciter à réaliser votre plein potentiel, à effectuer les changements qui sont nécessaires dans votre vie, à pleinement vous réaliser. C'est vraiment le symbole du changement et de la transformation. La libellule se déplace avec légèreté, elle s'adapte à son environnement qui semble en fait pouvoir changer de direction assez facilement, de se déplacer avec une légèreté assez remarquable. Elle nous incite à voir les choses d'une manière plus légère, de s'adapter à notre environnement, que malgré ce qui se passe, nous pouvons nous adapter. Vous pouvez faire appel à la libellule comme animal totem ou comme animal spirituel si vous êtes coincé dans une certaine situation, si vous ne voyez pas de possibilités qui se présentent à vous. Vous pouvez faire appel à la libellule pour avoir un champ de vision, pour avoir de nouvelles perspectives et pour avoir des réponses. Les réponses va peut-être être aussi dans la capacité de s'adapter à son environnement. La libellule, c'est aussi le symbole des émotions. Elle nous délivre comme message, quand c'est notre animal totem, que malgré ce qui peut se passer dans notre environnement, malgré les choses sombres qui peuvent se passer, si nous avons une souplesse émotionnelle, si nous vivons avec plus de souplesse dans notre quotidien, on peut laisser quand même briller notre propre lumière.
La libellule, elle vit près de l'eau et l'eau représente vraiment les émotions. Elle peut vous faire comprendre de sortir de cette fausse illusion, du faux visage que vous montrez pour vraiment sortir de cette illusion et montrer qui vous êtes. Un animal très puissant pour se connecter aux esprits de la nature, que ce soit les fées et toutes les énergies qu'il peut y avoir, c'est vraiment un animal très puissant. Elle nous connecte aux éléments de la vie, elle nous connecte à la magie de la vie. C'est vraiment un symbole spirituel qui représente beaucoup de choses. La libellule nous dit vraiment de se reconnecter à soi, de montrer notre authenticité, de montrer qui nous sommes, de montrer cette simplicité et de ne pas avoir peur de montrer nos émotions. Dis-moi si tu aimes la libellule. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour qu'on continue ensemble et fais-moi un don, vraiment, c'est important. On se dit à mardi 19h pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao.